Où sont nos conditionnements? Comment voir, comment savoir que tu es conditionné? Quand on s'approche de quelqu'un et qu'on le critique, on est conditionné. Quand les choses ne sont pas à ton goût, tu es conditionné. Quand tu t'énerves parce que les choses ne vont pas dans le sens de tes habitudes, tu es conditionné. Le conditionnement est une affaire de génération en génération qu'on se refourgue les uns les autres. Pour pouvoir exister de la même manière dans les habitudes qu'on a apprises et qui sont bonnes pour soi, pour son intérêt, l'intérêt personnel. Et toute cette activité crée ce monde qui se défie les uns les autres par rapport à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On est tous conditionnés à la manière de nos générations précédentes. Elles nous ont apprises comment faire en sorte que toutes les choses puissent être agréables pour soi. Mais tout ça, c'est une activité qui fait en sorte que la vie se meut dans un seul sens, dans le sens de l'intérêt personnel. Et nous avons construit notre civilisation, nos échanges, nos relations dans ce sens. Pour que l'autre ne soit pas une enclave, une embûche, une épine dans la chair. Donc, tout ce qui se passe est à voir depuis l'intérieur de soi. Comment nous réagissons aux événements.